السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. ندير ملخصات على لي كور اللي نقراهم اون ميديسين ان شاء الله باذن الله جو بيدوني كو ليسونسييل. جو فو دي بون كوراج اي سوايي لي بيانفوني. ابري افوار تيرميني لو موديول دو بارازيتولوجي اليوم ان شاء الله راح ندخلو في لو موديول دو فارماكولوجي. اون فا فير اون بتيت انتروداكسيون. اون كومونس بسم الله. Pour le plan, on va faire une petite définition, c'est quoi un médicament, l'origine des médicaments et les classes de la pharmacologie. La définition. Un médicament est toute substance chimique, naturelle ou d'hémisynthèse. Hémisynthèse, c'est la synthèse chimique à partir des molécules naturelles. Utilisée dans le but curatif, le shifa, ou préventif, le wiqaya, à l'égard de la maladie humaine ou animale. Pour corriger, l'exemple de la correction des hyperglycémies, restaurer ou diagnostiquer une fonction organique. Restaurer une fonction organique, comme la plupart des médicaments agissent, comme les antihypertenseurs, les antiarythmiques, ou diagnostiquer le cas des produits de contraste iodés dans la radiologie scanner. Pour l'origine, on a végétal, minéral et animal. Végétal comme le médicament digoxine qui est un traitement de l'insuffisance cardiaque. Minéral comme les sels de lithium pour les psychoses maniaco-dépressives. Les psychoses maniaco-dépressives sont caractérisées par un trouble double. C'est l'alternance des sensations de joie, de bonheur avec les sensations de désespoir et de dépression. Et l'origine animale, c'est le cas de l'insuline. Pour les classes de la pharmacologie, on a la pharmacocinétique, la pharmacodynamie, la pharmacogénétique et la pharmacoéconomie. Commençons par la pharmacocinétique. Autrement dit, c'est le devenir du médicament dans l'organisme, passant par les quatre étapes, l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination. La pharmacodynamie, c'est l'effet du médicament sur le corps humain. Par exemple, comment un antihypertenseur peut régler la pression artérielle? C'est par l'interaction du récepteur avec le récepteur du corps avec le médicament. C'est ça la pharmacodynamie. La pharmacogénétique, par des tests simples, elle peut identifier les personnes qui sont susceptibles de faire des réponses inappropriées et anormales. Par exemple, les allergies dues aux pénicillines ou les anesthésies, etc. La pharmaco-économie, c'est pour la gestion des schémas thérapeutiques et le choix du médicament, prenant en considération le coût FMN. Le coût par rapport aux bénéfices, le coût par rapport aux conséquences, le coût par rapport à l'utilité et le coût par rapport à l'efficacité. On ne peut pas donner un médicament très cher et nous ne sommes pas sûrs que c'est efficace. On a dit la pharmaco-économie pour bien choisir le médicament approprié. Comme ça, je vous dis merci, bon courage. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Merci.